tu vas faire même pour trouver de l'argent pour ton pain demain? Le genre que Penka est devenu dur ces temps-ci là, vraiment, je ne sais pas comment je vais faire. Moi-même qui suis venue me marier, j'ai les bambiniqués là. Je comptais sur quoi? Les gens qui vont sortir 5 francs dans leur poche, ils doivent ma calcul. Vous voici alors des dames depuis des années. Tous les jours, c'est les mêmes histoires. Maintenant, j'ai besoin d'argent demain, je fais comment? Mangono. Bonsoir. Hey, ma belle Kiki. Comment tu vas, ma fille? Je vais bien, maman, et toi? Je suis là-haut. Ok. Hey. Pourquoi as-tu cette mine si triste et pensive comme cela? Hey, ma fille, je suis en train de réfléchir comment je vais faire pour avoir un peu d'argent demain. Il y a quoi demain, Mangono? Même si tu as besoin d'un peu d'argent, tu peux demander à papa Kamono, il va t'en donner. Avec toute cette harmonie qui est entre vous, là. Yeah. Hey, ma fille, le genre que j'ai déjà demandé l'argent à ce type-là ces derniers temps, il n'a même plus le courage de recommencer. Non, il le faut. Et demain, là, non. La réunion de demain, le genre, ça va chauffer. Les femmes seront là-bas avec les nouveaux pailles branchées, sexy. Je ne voulais pas le marcher si je pouvais avoir ça. Ouais, Mangono, il faut demander l'argent à papa, c'est quand il va te donner. N'est-ce pas? En tout cas, moi, là. Demain, il y a conseil de famille pour pas. Tu sais que demain, c'est le 2 juillet. Tu vas me prêter pour ça. Demain, c'est le 2 juillet. Oui, Mangono. Ah, Fally sera ici au Cameroun. Oui. Non, il va laisser le Congo là-bas pour venir chanter au Cameroun. Oui. Parce que je crois que dans sa musique, il parlait de la grande foire de Kinshasa qui commençait le 2 juillet. Ah, moi, c'est seulement qu'il y a conseil demain. Attends un peu. Tu me donnes une idée. Ma fille, merci beaucoup. Je sais comment je vais faire pour avoir l'argent là. Wow. Compte sur moi. Okay. Je vais te rendre compte. D'accord, Mangono. En tout cas, moi, je m'en vais m'apprêter. Merci beaucoup. Bye. Les 2 juillet, 10 au Témé. Tu tiens, ma chérie. Oui. Tu chantes déjà le dingala. Laisse-moi comme ça. Je me suis rappelé comme demain c'est le 2 juillet là. Et puis j'ai pensé à Fally, c'est pour ça que je suis en train de chanter un peu. Mais qu'est-ce qu'il y a le 2 juillet? Tu sais pas ce qu'il disait qu'il y aura le 2 juillet. Laisse-moi, Fally disait dans sa chanson que le 2 juillet, chaque homme doit s'arranger à donner un cadeau spécial à sa femme. Chante pour que je puisse mieux comprendre. Il dit le 2 juillet, bisoté ménafoua. Chaque homme doit s'arranger à donner un cadeau spécial à sa femme. C'est bisoté ménafoua là. C'est ça qui veut dire que chaque homme doit donner un cadeau à sa femme. Oui. Attends, il laisse non. Tu es congolais alors. Moi, je viens de te dire ce que quelqu'un a dit dans sa chanson. Maintenant, tu veux me contredire. Il dit le 2 juillet, bisoté ménafoua. Chaque homme doit s'arranger à donner un cadeau spécial à sa femme. Tu sais, si tu veux me prendre pour ton chinois là. Tu dois seulement venir retirer dans mes propres poches là, avec tes mains. Ouais, moi je dis ce que le chanteur a dit. Est-ce que tu parles le lingal alors? Pardon, laisse-moi ça. Bissena tombe la foi. Chérie! C'est quoi? Viens, viens, c'est comme si tu n'as pas bien suivi. Moi j'ai dit demain c'est le 2 juillet. Fally a dit dans sa chanson que chaque homme doit donner un cadeau spécial à sa femme. C'est ce qu'il a dit. Bissena tombe la foi. Viens d'abord me donner aussi ma part de cadeau dans la chambre.